Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on est quel jour? On est vendredi. Je démarre un vlog d'une journée parce que c'est une journée spéciale. Je vais passer la journée pour la deuxième fois avec Neira. La chaîne Neira B, c'est ma copine. Elle habite à Nice et elle est en visite à Paris. Donc, on va se voir à Paris. Donc, là, j'essaie de m'activer un peu pour la skincare. Faites pas attention, je me suis pas encore coiffée. Et puis, j'ai trop hâte de la retrouver. Ça fait, je sais plus. C'était l'année dernière qu'on s'est vu ou l'année d'avant? Je sais plus. En tout cas, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On est resté en contact via les réseaux. C'est tout. Et par chance. C'est la journée la plus froide en Île-de-France aujourd'hui. Il va neiger, il paraît. Donc on est à moins 1. Journée prometteuse. J'espère qu'au niveau des transports, ça ne va pas être chaotique. Sinon, je vais galérer pour rentrer après. Mais bon. Allez, on se motive. Je me motive. Donc là, je mets ma. Attendez, je vais essayer de me poser. Ah, ça marche. Trop bien. Donc, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait le toner. Je vous montre ce que je fais. Et ce toner de chez. Donc, c'est Estée, bien sûr. Et. Donc, c'est de la marque Alba. C'est une pépite. Il est légèrement au-dessus de la moyenne des tarifs. Mais il est très, très, très qualitatif. C'est vegan, il est excellent. Le test Dermatest, il est excellent. Franchement, il est incroyable. Sérum moteur à la truffe blanche. Je kiffe trop ce toner. J'ai déjà fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette brume de la marque Mary & May Collagen. Rose Collagen, c'est une brume, sérum en brume, comme ça. Il est très bien. Ça sent la rose, par contre. Si vous aimez la rose, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas la rose, évitez de le prendre. Quoi d'autre? J'ai fait la vie. Ça, c'est la vie, ça. Les ampoules de Centella Asiatica de la marque Skin Milk Cat. Je pense que tout le monde connaît maintenant. C'est ma vie. Et regardez combien ça tient. Ça fait des mois que je l'utilise. Et ça part vraiment doucement. C'est très économique ce format. En ce moment, c'est la Black Friday sur YesStyle. Allez le choper. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et j'ai fait pour mes yeux le sérum de la marque Axis. Axis Y, au sérum au collagène triple acide hyaluronique. Il est génial aussi. Donc, c'est un sérum. Hein. La texture, c'est sérum où vous avez l'applicateur comme ça. Génial, vous faites le pchit pchit. Trop bien, donc tout ça c'est sec. Du coup, avec le rétinol, j'alterne avec ce sérum de la marque Aru Aru Amber. À la santé, là aussi, c'est bien pour les taches et pour l'hydratation, il est excellent. J'aime trop ce sérum. Ça fait un moment que j'utilise. Hop, hop. Et hop, j'espère que j'aurai le temps pour vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Voilà, je vous prends mes liens. En ce moment, vraiment, c'est compliqué. Le rétinol que j'utilise maintenant, c'est celui de Sun By Me à la plus faible dose, au 0,1 rétinol. Rétinol 1, et il y a du bakuchiol aussi. Donc il faut commencer le rétinoïde progressivement, de la plus faible dose et après donc augmenter la dose, alterner et puis jusqu'à ce que la peau s'adapte. Quoi d'autre? Et pour finir, je vais faire cette crème de jour affermissant de la marque Lyra. Je l'ai reçue dans une bissime, je crois, et je veux la finir. Donc voilà ce que j'utilise en ce moment. Ça, vous savez tout. Elle est presque terminée.
Elle est très bien cette crème. Hein. J'ai été agréablement surprise par cette crème miracle. Après, c'est une bonne marque. J'ai déjà testé des produits de la marque et j'en suis vraiment satisfaite. Voilà. C'est ça qui commence à m'énerver là, ces rides qui s'installent. C'est ce qui me gêne le plus en ce moment. Ok. La skincare est faite. C'est un de la marque Typologie. Il est très bien hydratant. C'est une teinte légèrement plus claire, mais j'en ai besoin pour avoir une bonne mine, raviver un peu le visage, parce que là, ça le fait pas. Sourcils. J'ai passé un coup de crayon à sourcils, ça c'est le meilleur. Bon, c'est le truc qui se taille à l'ancienne, mais hyper efficace. C'est dans Yves Saint Laurent le numéro 2. Donc le numéro 2, la référence numéro 2, marron. Après, je vais venir les fixer avec le NYX. Un fixateur transparent. Hop. Hop. Quasiment terminé l'anti-cerne NYX. Et 02. Il est terminé. Et je viens avec le pinceau Jacqueline. Le GH17. Il est comme ça, pinceau anti-cerne. Je prends cette palette magique de Wet n Wild, ça coûte 4 €, c'est... Elle est géniale. On va faire trop un petit coup sur la crête sourcilière, on ouvre le regard. Un petit coup ici. Je prends le Laura Mercier, c'est de l'ombre à paupières, Laura Mercier. Sous forme de stick, c'est le Rose Gold. C'est les caviar sticks. Vous le faites et ça ne bouge pas de la journée. J'ai un œil avec lequel je ne vois pas très bien, du coup c'est les sticks. Quand je fais pour moi, les sticks c'est très pratique. Bon, je reprends mon duo blush bronzer de Jacqueline. Il est quasiment terminé. Je commence à avoir ma panne sur le bronzer. C'est... C'est World Flash Golden Goddess. J'ai essayé de finir ce mascara de Marc Jacobs. Je sais pas s'il existe encore. Je pense que non. Eh, je l'ai sous-estimé, mais regardez-moi les cils qu'il fait. Il sépare bien, il fait pas de paquet, il fait du volume, il rallonge. Magnifique. Pépite ce mascara. Et voilà, il reste que le rouge à lèvres. Et on est prêt. Pour les cheveux blancs, c'était ça. C'est, je sais pas si on peut dire que c'est un dupe, mais c'est un peu moins cher que L'Oréal. C'est le Root Perfect. Je l'ai acheté chez Normal. Je sais pas si c'est leur marque ou quoi. J'ai la version Dark Brown. Et c'est juste incroyable ce truc. Camouflage.
J'ai plus de cheveux blancs, par contre, le mur. Tadam, plus de cheveux blancs. Incroyable. La même couleur que mes cheveux. Attendez. Hein. Magic Touch. L'autre, je pense que ça s'appelle Magic Touch. Non, je sais plus. En tout cas, vous pouvez trouver à Normal, chez Normal. Il est excellent. En tout cas, moi, c'est exactement ma couleur de cheveux. Perfecto! Allez, let's go to the beach. Pas du tout. Fermeture des portes. Ça nous a manqué cette sensation de se balader, sensation de se balader dans un frigo ouvert quoi, à moins 2 degrés, super. En face de la station Auburn. Il neige, mais c'est beau Paris quand il neige, franchement. Donc, magnifico. Coucou, alors je suis enfin arrivée. Neira s'est trempée de direction. Du coup, je l'attends à l'intérieur parce qu'il ne joue plus trop comme vous l'avez vu. Et puis j'ai trop hâte et j'ai trop faim, regardez-moi, je vous conseille vivement cette adresse. C'est très simple à trouver, c'est en face de la gare d'Aubert, comme je vous ai montré, et écoutez. Retoucher, excusez-nous, elle va retoucher avant de passer en vlog. Je t'ai pas pris. Je vous présente Neira. Coucou, ça va? Tu fais quoi à Paris? Pour les vacances, pour voir la famille et Emna. Donc c'est Neira de la chaîne Neira B. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne, allez vous abonner. Et ça, elle veut déballer, ça y est, elle peut plus attendre, elle veut déballer son cadeau de bienvenue à Paris. Vas-y. Allez. Elle habite à Nice. Je vais pas être délicate. Vas-y, vas-y, c'est le paquet cadeau action. Hein. Tu veux... Bon, par contre, la musique, la Selena, il saute en bas. Allez, vas-y. C'est un petit coffret pour les cheveux. Elle adore les produits pour les cheveux. Sarah. Bon, je vous montre quand même. Je suis pas égoïste. C'est une brume pour le corps et cheveux et un masque pour les cheveux de la marque Skill. Crazy hair. Like her. Oh, que les cototes. Je suis trop contente. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Allez, on découvre. Alors ça c'est ton gel nettoyant de la brosse parce que tu utilises un autre gel. Non, je l'ai encore. Le gel que j'utilise encore. Tu économises. Donc là tu peux y aller. Oui, j'économise. Et ça j'espère que ça va te plaire. C'est un parfum de Dubaï. Pas osé. Si si, par contre j'espère que la senteur va te plaire. En fait, ça ressemble beaucoup au Angel Nova. Je t'ai mis un échantillon d'Angel Nova pour faire la... Non, faut pas spoiler là. Tu vas faire une vidéo comparative. Non, je spoil pas. C'est pour moi en fait. Bah, là, on va couper, ça y est. Ça y est, on est sorti. Je sais pas. Ah, la niçoise, elle arrive pas à s'adapter. Elle est pas prête du tout. Elle est pas prête. Elle va pas l'oublier ces vacances à Paris. Regarde, elle traîne.
Ça y est, t'es prête là ou pas? Faut pas traîner, faut pas traîner. Je lui fais la petite visite. La petite visite du quartier. Parapluie, bonnet, cache-col. Ça y est. On peut pas faire un hiver plus que ça. Là, non. T'es version extrême. Je vais te le dire. Vague à la tortue. Donc, on a payé beaucoup. T'as vu qu'elle bâche. Je l'emmène à Opéra faire les photos. Ouais, donc la direction. Voilà. On a fait 4 minutes, ça y est, on est gelé. On a l'impression de s'arrêter sur place. On retourne parce qu'on est à la mauvaise direction vers Galerie Lafayette. Heureusement que c'est pas moi la parisienne. Ouais. Hein. Donc là, Opéra. Après, excuse me par ici. Vas-y, on traverse. On va aller à Sephora se réchauffer un peu. Donc c'est à 6 minutes. On va faire ça. Ça c'est juste en face. Ouais, non, c'est juste en face. Hein, hein, ça va? Ça va. J'ai la main gelée. À part ça, tout va bien. Sephora. Trop sympa. C'est très girly. Deux sympathiques. J'adore. Ah, j'adore. Deux salles, deux ambiances avec un petit semi. Sa caille, sa grand-mère. Allô Paris. Ça y est, elle prend sa phase là-bas. Ça y est, on y est. Ça y est, elle m'a abandonné. Ça y est, elle m'a abandonné. Genre, je suis à Paris, je suis les vitrines. J'existe plus, genre. Mais c'est le meilleur moment pour faire les galeries. Il est 14h et il n'y a pas trop de monde. J'adore la déco. Ah, y avait, genre, c'est féerique, tu vois, tu oublies le monde. Ouais, et la musique. Et la musique et tout. Musique. On dirait un film de Noël. Elle est belle celle-là. Bon, là on a oublié le carnet de chèque. Sinon, on aurait pu craquer. Là, on est rentré à l'intérieur parce qu'on a gelé, ça y est, on pouvait plus et on va faire un petit tour à l'intérieur. On vous emmène avec nous. Mais il va y avoir trop de monde, ça va être trop difficile de flouter. Il y a la mise qui est de flouter les visages. Je vais essayer de prendre de filmer le maximum, mais voilà. Je pense que ça sent le craquage là, dit petit. Bonjour. La Miss Nera, experte parfum. Ça donne quoi? C'est fait boisé. En fait, ça peut pas le nez, tu vois. C'est fait. C'est doux en même temps. Doux, ouais, voilà. Quartz. La
La Miss Naira n'a pas eu trop de cœur. J'ai été déçue. Elle était prête. Elle a sorti son carnet, check et tout. Elle était devant Diptyque, Tom Ford. Voilà. Franchement, j'étais devant Tom Ford. Alors là, j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai Diptyque non plus. Donc, je sais pas ce qu'on va faire là. Et oui, on a trop testé aussi deux parfums de la marque Le Labo. Ah, Le Labo, oui. Je vous ai montré pareil, un peu. Mais c'est trop frais, c'est unisexe. Ça ressemble beaucoup au Diptyque. C'est pas assez féminin pour moi. Et pour cette saison, je préfère des parfums un peu plus voluptueux, un peu plus enveloppant, boisé, enveloppant, etc. Ouais. Bon, on va continuer, on verra. Regarde. Bon, je les ai déjà testés, j'ai pas été conquise. Hein. Ah ouais, bon, non. Moi, peut-être que toi tu les sentiras, tu me diras ce que t'en penses. Avec tes commentaires là. Ah, fallait entendre mes commentaires à la tunisienne. Ah là, ça commence à sentir bon. Donc là, on attaque by Kylian. Vas-y. Tu veux sentir lequel? C'est quoi le principe? Ah, en fait, il y a le parfum, tu peux le sentir. Ah, son cheaté quoi. Non. Cher chicha de fer. Smoking hot, ça sent la chicha aux pommes. Chicha pomme cerise un peu. Fruité. Ouais. Mais plus fruits rouges. Ok. C'est ça en fait. On dirait que tu es en train de fumer. Tu sors d'un bar à chicha. Exactement. Ok. Cette ambiance là. Suivant. Le premier, ça sent l'encens. Ouais. Ça c'est le Black Phantom. Black Phantom, smell it. Ça pue la chicha. Encore. Alors, c'est la chicha. Ouais, version Girac. Un peu plus boisé. C'est vrai, hein. Oui. Je préfère que le fruité. Vous avez vu? Je préfère. En fait, ça fait plus parfum que l'autre. Oui. C'est pas tellement chaud. J'aime trop. White avec le Straight to Heaven. Là, c'est le dernier. Straight to Heaven White Crystal. Là, il est plus frais. Un peu herbacé, tu vois. Herbacé, c'est pas mon truc. Vert boisé. Vas-y, sens. Ah non, flyer, c'est pas ton truc. Ouais. En fait, ça sent les médocs. Ça me rappelle. Comment ça s'appelle déjà? Un truc que je déteste d'ailleurs. Flyer. Là. Appelle le Gle. Ah, réglisse. Ça sent la réglisse. Ok. J'arrive plus à la retenir là. Elle est partie dans son délire. Tu prends un sac. Attends, on peut pas filmer les gens. Tu prends un sac Louis Vuitton, c'est bon pour toi? Non, moi c'est plus Christian Dior. Ah, elle veut les Dior. Ok. Elle fait la photo fatidique. Ça y est, on a fait le tour. Oui. Tu as aimé? On n'a pas sorti le carnet. Ah, il n'y avait vraiment pas le coup de cœur. Non. Par contre, on a essayé un parfum. Le bouquet, comment ça s'appelle déjà? Ah oui. De Yves Saint Laurent. C'est la collection privée. Magnifique. C'est magnifique. Et moi j'ai senti le. Il y a celui avec la note de cuir. Ils sont divinement. Un bouquet floral.
attention. Un bouquet floral très délicat, sensuel, printanier, jovial. Voilà, ça y est, il est dans sa wishlist. Et franchement, il lui colle à la peau, mais parfaitement. Voilà. Il y a lui et il y a l'autre, Givenchy. Ouais. Belle découverte. Hein. On vient de sortir. On allait sortir. On était du premier. On sortait de l'escalator pour sortir et... Et la femme nous a attrapés à la dernière minute. Pas n'importe quoi. Dans le corner de Francis Kurkdjian. C'est un parfumeur français qui est très connu. D'ailleurs, celui qui a sorti Baccarat Rouge et Gentle Fluidity Gold. Et là, on vient de sentir deux autres parfums. Grand Soir, Saint-Hermoud, l'eau de parfum et l'extrait de parfum. Mais non, alors, mais une dinguerie. Une dinguerie. Déjà, on est passé devant leur boutique. Ouais. On a dit non. Donc, on disait... qu'est-ce qu'on disait? Ah, on est passé devant à l'entrée. On a dit non, on va rien sentir parce que là, c'est trop cher. C'est trop cher et puis on va pas tomber dans le piège. Non, en fait, on a senti beaucoup de parfums et donc notre nez est saturé. On ne pouvait plus recevoir les autres notes olfactives. Mais grande surprise, hein. Moi, je suis choquée. Là, en fait, on n'arrive même pas à vouloir enlever nos vêtements tellement c'est sans bon. Non, non, non. Je vais plus faire la douche là, ça y est. Ça y est. Donc le grand soir pour moi. Grand soir et pour moi c'est le en fait j'arrive pas à choisir entre le satin mood eau de parfum et l'extrait de parfum. Les deux sont différents, c'est pour ça. Donc voilà, on va vous laisser ici avec ces notes parfumées. Dinguerie. Avec le fond Noël. C'est féerique. On vient de sortir là de se réveiller de nos rêves. Ouais. On n'a plus de charge. On va rentrer. Oui, c'est tout. Et puis c'est tout. J'espère que ce vlog vous a plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao.